Je vous écoute, lieutenant. La victime s'appelle Caroline Debarry, 24 ans, sans antécédent. Elle était étudiante en technique de ressources appliquées et venait de s'associer à la start-up Ressatech. Continuez. Caroline est issue d'un milieu modeste qu'elle comptait dépasser. Opportuniste, mais humble. De quoi susciter des jalousies. Ils sont tous à côté? Oui, les employés sont là. Tout a été privatisé pour eux aujourd'hui. On va faire une petite partie. Capitaine Nick Cabrol, lieutenant des mots. Aujourd'hui, un crime horrible a été commis. Nous ne sommes pas là pour punir le ou la coupable, mais afin de rendre hommage à la vérité de la vie et de la mort de Caroline. La culpabilité est présente parmi vous. Personne ne sortira d'ici tant que nous n'aurons pas découvert cette vérité. Nous allons donc jouer au loup-garou. 8 habitants d'un village. Parmi eux, un loup-garou. Son objectif est de tuer tous les autres afin d'être le dernier survivant. Et face à lui, des villageois, dont certains sont dotés de pouvoir. Ils vont devoir s'en servir afin de débusquer le loup-garou. Vous jouez aussi? Vous êtes sûr? Bien. Le village s'endort. Tout le monde ferme les yeux. Le loup-garou se réveille et désigne sa victime. C'est Léa. T'es malade, pourquoi ce serait moi? Je suis sûre que c'est toi. Pourquoi ce serait pas toi? Ou Ambre? Oh non, moi j'ai rien fait. Faut rester rationnel là, les copains. Tu vas te calmer parce qu'on n'est pas tes potes. Comment ça, on n'est pas tes potes? Tu te prends pour qui toi? Je prends pour qui moi? Ouais? Ça serait pas toi? Bon, stop! Tout le monde se calme! Super. Qu'est-ce que je peux faire? T'es pas obligé de lui parler, d'accord? Chloé, j'ai besoin d'aide. Ouais, ben t'es pas la seule. Qu'est-ce que je peux faire? J'en sais rien. Qui est-ce que je vais appeler à 22h maintenant? Quand j'aurai un chagrin ou un truc chouette à raconter. Caro, c'est un exemple pour moi. Et on me l'a arraché. Qui va aller voir nos parents pour leur annoncer ça? Alors vous voulez m'aider comment? Je veux trouver qui a fait ça. Mais je m'en fiche de qui a fait ça! Mais c'est lui rendre justice. Vraiment? Et ça changera quoi? Il vient de vous arriver la pire chose de votre vie. J'en ai conscience. Je suis fille unique. Mes parents... Au foyer, j'avais une amie. Rebecca. C'était la plus chouette. Elle était un peu plus grande que moi. Mais les foyers, c'est pas toujours des moments de rêve. Rebecca n'a plus voulu rêver. Ça m'a anéantie. Je peux juste te promettre une chose. Ta vie peut être belle. T'es pas obligé de rester seule. Je crois que j'ai entendu des choses. Je vois vraiment pas qui aurait pu faire ça. Mais réfléchissez un peu, c'est vous leur chef. Caro, elle a été un peu sur le projet Emily. Je l'aimais beaucoup, Caro, c'était quelqu'un de bien. Mais je vous ai demandé votre fonction au sein de l'entreprise. Mon métier? Je n'ai pas à vous raconter ma vie.
Je vous ai juste demandé votre adresse. Comme je suis balance, ascendant balance, et vu les astres aujourd'hui, je pense que vraiment j'ai rien à voir avec tout ça. Ouais, j'ai pas de temps à perdre en ce moment. Je suis vraiment désolée. Je sais pas, je l'ai jamais senti l'air. Elle travaille avec moi sur le projet Émilie. C'est moi qui ai créé le projet Émilie. C'est mon fruit, c'est mon bébé. C'est... Je suis un peu une sorte d'éducateur pour ordinateur, si vous préférez. Est-ce que vous avez regardé, je sais pas, ça peut être un lion. C'est sûr que c'est un lion. Vous avez regardé la date de naissance des gens? Mais je sais que Camille, elle est louche. Je sais pas, elle a jamais pipifré Caro. Ah bah de toute façon, Léa, elle a jamais pipifré Caro. On est une vraie famille ici. Peut-être à la limite, j'ai jamais aimé les vierges. Peut-être c'est un vierge. Vous avez d'autres questions? On avance. C'est quoi ton problème avec moi en fait? J'ai pas de problème avec toi. Si depuis le début tu me suspectes? Je sais que t'as un rapport avec tout ça. T'es malade? Oh, stop, ça va pas là, non? Ça va pas la tête? Va te soigner. Chloé, tu peux l'accompagner s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous croyez quoi? On a perdu quelqu'un de proche, nous, d'accord? Alors peut-être que pour le coupable, ça représente rien, comme vous avec votre collègue, mais pour nous, c'est difficile. Ça craque. Je peux aller à la cantine chercher la nourriture pour tout le monde? Non, vous vous approchez pas! Attends, tu fais quoi, là? Bah quoi, après toutes ces émotions, j'avais envie de t'embrasser. Non, j'ai pas la tête à ça. Tu me saoules, là. Quoi? Parce que je veux pas Ken là maintenant, c'est ça? Mais non, ça je m'en fous. Tu me saoules parce qu'il faut toujours se mettre dans une réserve bien à l'abri de tout le monde pour pouvoir s'engueuler ou pour pouvoir s'embrasser. Je comprends pas ce que t'attends de moi, là. J'ai envie d'être en couple. Tu comprends ça? On a dit qu'on attendait un peu avant de dire quoi que ce soit. Bah ouais, mais Caro, aujourd'hui elle est plus là et je me dis que c'est nul de toujours devoir attendre. Justement, c'était pas le moment de... C'est jamais le moment de quoi que ce soit avec toi. T'as raison. C'est peut-être pas aussi le moment d'être dans une relation plus sérieuse. Tu penses pas? Bah pour moi, si. Je sais. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit honnête l'une envers l'autre, d'accord? C'est nul. Je sais aussi. T'es une chouette fille. Tu le sais ou pas? Oui, je sais. J'ai peur qu'on n'arrive jamais à sortir d'ici. Je suis désolée pour Caro. Merci. Bon, écoute, je sais qu'on n'est pas trop copines toutes les deux. Et que j'avais des tensions avec ta sœur, mais... je la respectais. C'était une des personnes que j'appréciais le plus ici. Je suis vraiment désolée pour Caro. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'elles étaient cheloues. Bah t'étais la seule à pas être au courant, hein. Est-ce que quand tout ça sera fini, tu voudrais me rejoindre avec Hugo sur le projet Émilie? Je ne veux pas m'en mêler.
Est-ce que vous savez que si vous m'en parlez pas aujourd'hui, va falloir que vous en parliez à quelqu'un d'autre à un autre moment? Ben, on attendra cet autre moment, alors. Vous aimez bien Chloé, non? Et Caroline? Je pense que vous étiez amie avec Caroline. Et que vous avez pas voulu le montrer parce que vous tenez à garder une barrière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Caro était mon amie, oui. Je suis un peu perdue, là. On a tout notre temps. Je me suis toujours dit que ce serait mieux de rester à l'écart le plus possible. On passe pour quelqu'un de mystérieux. Les gens se méfient moins, ils parlent plus. On devient invisible et on apprend et voit plus de choses. Il y a un truc qui va pas avec le projet Émilie. Ah, on y arrive enfin. Vous voulez connaître les secrets de tout le monde? Chloé, nouvelle partie de Loup-garou pour tout le monde. C'est la nuit. Le village s'endort. Tout le monde ferme les yeux. Le loup-garou se réveille et s'occupe de sa victime. Ah ! Hugo, c'est fini là. Caro n'a pas voulu me laisser Émilie. J'avais pas d'autre choix. Lui là, je suis pour rien. On assume les choix qu'on fait. Mais je suis pas sûre que t'aies envie de faire du mal à Léa. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Thank you.